Bonjour Alicia encore. Bonjour. Donc du coup, est-ce que tu aimes bien le cinéma? Oui. Cool. Ici j'ai des cartes, Justine vient de nous rejoindre, toi, elle est là, elle rigolote. Donc toi j'ai des cartes rouges et des cartes bleues, oui. D'accord? Et en fait ça représente des acteurs et des actrices, mm-hmm. D'accord? Toi tu préfères les acteurs ou les actrices? Actrices. Les actrices. Alors regarde, ce que je vais faire c'est que je vais prendre toutes les actrices, les acteurs on verra ça après. Et je vais te... Alors il y a Drew Barrymore, il y a Meg Ryan, il y a Natalie Portman, il y a Sandra Bullock et Julia Roberts, d'accord? Je vais te demander d'en choisir une, mais tu me dis pas laquelle. D'accord. C'est fait? Mm-hmm. D'accord. Donc là, tu en as choisi une, mais on sait pas ce que c'est. Et je vais te demander de tenir ces cartes-là, pour le moment, dans tes mains. Mm-hmm. D'accord? Julien, Justine, c'est pareil. Là, j'ai les acteurs, Brad Pitt. Là, il y a Tom Hanks, Richard Gere, George Clooney et Bruce Willis. D'accord? Je vais te demander de choisir un acteur, mais tu me dis pas lequel que c'est. C'est fait? Oui ou pas? Mm-hmm. D'accord. Donc du coup, pareil, tu vas tenir ces cartes-là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mélanger les cartes, mais d'une façon bizarre, tu vas voir. Est-ce que déjà tu connais bien le prénom de l'acteur que tu as choisi? Tu sais comment ça s'écrit? Mmh. D'accord. Si jamais tu as un doute, il y a les prénoms des acteurs et des actrices qui sont là. D'accord. D'accord. Alors maintenant, vous allez mélanger ces cartes. Comment vous allez faire? Supposons qu'il y avait Jean Dujardin. Mmh. D'accord. En fait, la première carte qui est ici correspond à la lettre J. Mmh. Tu la mets en dessous. E, en dessous. A, en dessous. N, en dessous, tu t'arrêtes. Là, c'était un exemple avec Jean Dujardin. Mais peut-être que toi, je sais pas. Peut-être que j'ai déjà une autre connerie. Supposons que tu avais pris Sandra. Donc, mm-hmm. S, A, N, D, R, et A. Et tu t'arrêtes. D'accord. D'accord. Vous avez compris c'est que tes deux? C'est que le prénom. D'accord. Okay. Je me retourne, parce qu'il ne faut pas que... C'est bon? Les deux? C'est bon, toi? Oui. Ok. Donc, du coup, là, je prends Justine. Ok. Donc, en fait, elle a fait son mélange. D'accord? Les cartes rouges. Et toi, tu as fait ton mélange également avec les cartes bleues. On est d'accord? Ouais. Donc, du coup, il y a un truc que vous n'avez peut-être pas forcément vu. Est-ce que tu as vu que, comment dirais-je, il y avait des têtes qui rigolent et des têtes qui pleurent? Tu avais vu Justine ou pas? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non? Tu sais pas pourquoi? Bien, regarde. Ça, on va faire ça comme ça. Là, Justine, on va juste. Mélanger un peu et tiens, tu tiens ça comme ça, faut pas que ça bouge, d'accord. Pareil, je vais remélanger un peu comme ça. Pareil, tu tiens, mais faut pas que ça bouge. Alors, comme c'est ta copine, je commence à pareil, d'accord. D'accord. L'actrice que je pense que tu as choisie, je pense qu'elle a commencé il y a très très longtemps dans un film de Luc Besson avec Jean Reno. Le film s'appelle Léon, ou alors c'est la copine de Thor. Dans les Avengers. Je pense que c'est Natalie Portman. Oui? Toi, Justine, je pense que... Toi, t'es plutôt zombie. Je pense que toi, t'as pris l'acteur qui jouait dans World War Z. T'as pris Brad Pitt. Oui. Mais ça, c'est pas Brad Pitt, hein? Ce qui est rigolo, c'est qu'ici, si on regarde bien, dans les cartes bleues, j'ai une carte rouge. Alors ici, on a, je sais pas qui, on a des filles, hein. Et ici, est-ce qu'on a Brad Pitt, c'est ça? Alors on va regarder, alors ici il y a quoi? Oh, une carte bleue! Alors qu'est-ce qui se passe ici? On a des garçons, d'accord. Toi, t'avais choisi quoi? Natalie Portman? Oui. Eh oui, Natalie Portman. C'était Red Carpet. Merci pour la tienne, c'était super. Ouais.